Bonjour, bonsoir tout le monde. Son plaisir pour nous rentrer la caillou pour nous capable porter baou une nouvelle émission sous Chanel pour la Chanel Prophétia. Jeudi c'est 17 octobre. Mes amis, nous connaissons qui rappelait assassinat empéré Jean-Jacques Dessalines. Eh bien, professeur Jean Gasman Bissette dans le cadre d'émission Sam pour le permettre de suivre ensemble avec moi. Porter pour nous lumière en pile vérité sous une série bagaille. Histoire d'Haïti, pas dit nous, histoire pas raconter nous. Par exemple, est-ce que nous te connaît tête empérée, Jean-Jacques Dessalines pas enterré, même côté à Koa, mais plutôt yo te fait sacrifice avec nan cathédrale Port-au-Prince là. Est-ce que nous te connaît tout, Jean-Jacques Dessalines c'était premier réincarnation Caonabo et madame ni Claire Heureuse félicité, c'était premier réincarnation Reine Anacaona. C'est autant de points professeur Jean Gasman Bissette a gagné pour éclairer nous dans le cadre émission ça. Restez connectés, nous n'attendons réaction, n'attendons commentaire. Bye bye tout le monde, à très bientôt comme toujours. Ciao ciao. Chers compatriotes, concitoyens, concitoyennes, m'a salué nous avec respect. C'est professeur nous, docteur nous Bissette qui aujourd'hui vient partager ensemble avec nous une autre réflexion. Aujourd'hui, nous allons parler du fondateur de l'État-nation haïtienne, Jean-Jacques Dessalines, notre héros, le père-nation, le libérateur d'Haïti, de l'Amérique latine, pour ne pas dire du monde. Eh bien, émission ça, n'a présenté les pour nous capables honorer mémoire ce grand patriote, ce grand haïtien, ce grand socialiste qui t'a gagné un rêve pour notre pays, ce grand visionnaire que t'es Jean-Jacques Dessalines. Nous connaissons bien que c'est un petit Africain avec une Indienne, ou bien un Indien avec une Africaine, parce que était un sambo. Et c'est ça qui fait que l'alliance qui était faite entre Taïno avec Africain, ils ont décidé plus bas un monde qui gagne 100 Taïno diriger le pays. Et c'est ça que fait été venir avec Jean-Jacques Dessalines. Donc, l'empereur, il a assassiné le 17 octobre 1806. Mais avant que l'assassiner, il faut nous passer dans le couronnement et l'empereur le 8 octobre 1804. Côté que c'est le grand archevêque de Port-au-Prince, originaire de Bordeaux, France, M. Jean-Baptiste Joseph Brelle, qui t'a fait couronnement Dessalines dans la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption des Cailles, le 8 octobre 1804. Mais c'est dans la même année ça, en décembre 1804, que Napoléon Bonaparte et sa femme Joséphine viennent couronner par le pape Pie VII. À Paris, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc, Dessalines, couronné avant Bonaparte, Napoléon Bonaparte. Quoique Napoléon Bonaparte n'est pas marié avec Joséphine, pape Pie VII pas de vli fait couronnement. Et c'est ça qui fait que c'est après tant d'hésitation, il est obligé de faire li et c'est Napoléon même qui fouait couronne dans la tête, palais. Alors, ça me besoin expliquer nous, c'est que nous apprendre dans l'école, à travers l'histoire, que Dessalines est mort au Pont Rouge. Et c'est ça que nous apprendre. Mais nous connaissons que l'histoire tergiversée. Et ce n'est pas en réalité et au Pont Rouge que Dessalines, d'après étude que nous faisons, ce n'est pas au pont rouge que Dessalines réellement est tombé dans une embuscade, puis il a assassiné. Alors, il y a plusieurs thèses, hypothèses. Mais il y a une thèse, hypothèse qui est plus valide, c'est le fait que Dessalines te point dans un piège, dans un guet-apens au Gonaïve. Et monsieur te réuni au Gonaïve en présence de Pétion, de Yayou et d'autres encore, mais Christophe pas présent, alors que Christophe, il a accusé lui comme un auteur intellectuel de ce massacre. Et puis Dessalines, il y a plusieurs raisons qui font qu'il n'a pas de voulu. Premièrement, il établit l'empire. Deuxièmement, il a créé, nous capables de dire, il a nommé son propre successeur. Après le mourir, il était des petits qui pour remplacer lui. Donc, c'est une dynastie impériale. Il s'agit d'une dynastie impériale. Nous voyons tout que lui demander la révision des titres de propriété. Dessalines, tu essayé tout faire une sorte de répartition, distribution des biens, des terres ou des biens qui sont censés quitter trouver et nommer les mulâtres, l'élite mulâtre traditionnelle de l'époque, c'est-à-dire les descendants des colons français et des Africaines. Donc, partition terre, pas de café, puisque le demandé peut être capable de faire une sorte de justice distributive, donner à chacun ce qui le correspond, les petits soldats, les sergents, les capitaines, les colonels, les généraux. Chaque monde a trouvé parti par eux, aussi bien les petits paysans qui étaient bataille pour l'indépendance là. Donc, Dessalines, c'était un monde qui censé ville était en danger. Et c'est ça qui fait que ils ont tué le 17 octobre 1806. Mais, histoire racontée que ils ont mutilé le corps de Dessalines, ils ont démembré son corps et au nord de la capitale d'Haïti, Port-au-Prince, c'est là monsieur Tuéli, c'est là monsieur Lagekoa, ils ont éparpillé quoi tout partout et que c'était une femme du Cap ici au les Dédé la Folle qui était recueillie avec un sac et tout reste cadavre là qui était éparpillé à travers les rues de Port-au-Prince et puis l'Ital déposé pour l'albal une sépulture décente dans le cimetière de Port-au-Prince. C'est ça que nous apprenons. Mais la tête de Dessalines, il n'y a pas de jamais retrouvé. Donc, qui côté tête Dessalines allait? Parce que nous avons dit, nous ne pas intéressés à cadavre là, parce que crâne, c'est lui qui est important, même au niveau de l'Église catholique, même au niveau du Vatican. Parce que crâne, c'est lui qui le siège de l'âme. Donc, nous sommes intéressés pour nous connaître qui côté tête Dessalines allait. Eh bien, nous venons Jean-Baptiste Joseph Brelle, comme archevêque de Port-au-Prince, il était associé avec les mulâtres traditionnels, les élites militaires, commerciales et de Port-au-Prince. On a parlé politique tout. On a parlé de Pétion, ouais, il était gagné tout Mathurin, Félix Mathurin, Bartholiner, Yayou. D'ailleurs, même, il parlait que c'est Yayou qui était premier Dessalines et c'est le premier monde qui était frappé Dessalines avec son sable. Ouais, un coup de sable. Et il n'a pas de Yayou. Donc, c'est lui tout qui était coupé de Dessalines pour être capable de prendre la bague impériale là que le Tegen a mêlé. Donc, puisque bague ça, ce n'est pas n'importe bague liée, donc, c'est ça fait que, et durant le reste de sa vie, Yayou, comme général, il était venu paniquer. Et c'est ça que fait, il était obligé de faire que, il a expédié, il a dépêché lui comme commandant de Léogane, pays côté Claire Heureuse, félicité, bonheur, sortie, l'épouse de Jean-Jacques Dessalines. Donc, il faut moins dire nous en passant que félicité, Claire Heureuse, félicité, était la première réincarnation d'Anacaona. Je vais répéter encore. Claire Heureuse, félicité, bonheur, la femme de Dessalines, était la première réincarnation d'Anacaona. Les fêtes, les organes, même côté avec Anacaona. Et il agit comme reine, comme guerrière, comme Anacaona. M'a dit nous tout que Dessalines est la première réincarnation de Caonabo. M'a expliqué nous ça d'une manière très claire. Qui ça fait nous dit ça? C'est parce que il y a plusieurs faits qui passaient au niveau de San Juan de la Maguana. Et puisque le Kasika de la Maguana était sous contrôle de Caonabo, la divinité, le dieu que dans Kasika, ça, dans le royaume, ça, qui était vénéré, le patron de ce Kasika, de ce royaume, de la Maguana, côté que Caonabo t'a dirigé, c'était Api ou Apis, le dieu égyptien, le dieu protecteur du Nil, de l'Égypte, qui lié à Hathor. Là, nous parlons de Hathor, on a parlé de la déesse vache. Donc, Hathor, c'est la guerrière, c'est la protectrice, ok? Et symbole de l'amour. Et Hathor, c'est même Isis, Erzulie. Hathor, c'est même et la déesse vache. Je vais répéter ça encore. Donc, là, on a parlé de culte hathorique, on a parlé de Isis, on a parlé de Api, il y a une relation entre eux. Donc, Dessalines, dans la proclamation de l'indépendance, dans l'acte de la proclamation de l'indépendance, il mentionnait que un génie qui a servi avec le peuple haïtien. Dessalines, il y a un génie tout, un esprit qui t'observe ensemble avec lui. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas capables de vénérer, nous ne sommes pas capables d'adorer, nous ne sommes pas capables de suivre un esprit loi au goût Dessalines, parce que Dessalines, pour lui-même, nous déifier lui, c'est vrai, mais ce n'est pas l'esprit ça pour nous capables réellement et marcher derrière elle. Ce n'est pas l'esprit ça pour nous capables de demander qui pour nos lumières. C'est l'esprit qui était crampé derrière Dessalines. Et c'est exactement c'est Api, Hathor. On a dit Api comme une divinité guerrière, un dieu guerrier, du Kasika de la Maguana, lié à Hathor. Donc, ces deux esprits saillants, nous mettons ensemble, nous faisons une combinaison Api Hathor qui était crampé derrière Dessalines. L'autre raison qui fait que nous disons ça, c'est parce que nous sommes dit, premièrement, Dessalines, c'est l'incarnation Caonabo. Deuxièmement, nous dit c'est Api comme divinité, son divinité guerrière que liée, et protectrice du Nil, et aussi c'est lui qui balle, qui produit inondation, qui produit fertilité au niveau de l'Égypte, lorsque le Nil est en crue. Et donc, ils combattent la sécheresse. C'est Api. Api toujours marché avec Hathor. Maintenant, à San Juan de la Maguana, qui était la base, la ville côté que Anacaona était ensemble avec, la reine Anacaona était ensemble avec Marie, le roi, le cacique Caonabo, et bien exactement San Juan de la Maguana, juste à la sortie, bon côté Yorele, la tombe des indigènes. Tombe ça, c'est une sorte de, et je dirais, tombe ça, c'est en forme de force commune que liée. Donc, Espagnol, te vient faire un fort, une forteresse. Et sous exactement force commune, ça. Donc, Dessalines, durant l'invasion de l'armée impériale en 1805, eh bien, monsieur était stationné à San Juan de la Maguana. Et que, partie soit ça, nous pas qu'on lit, mais il y a plusieurs auteurs et dominicains qui parlaient de ça, et pas seulement dominicains étrangers, tout qui parlaient de ça. Alors, éventuellement, si nous avons des questions à ce sujet, nous allons toujours poser une question. Parce que le document est là. Moins dans l'investigation que nous avons fait, nous avons cherché à connaître pour qui ça que l'armée de Dessalines a fait autant au niveau de San Juan de la Maguana. Songez bien, nous dit c'est là qui base, c'est là qui était quartier général du Cacique Caonabo ensemble avec madame. Eh bien, nous voyons que il y a une grosse bataille qui était faite, côté que 300 membres de la garnison de l'armée impériale ta bataille contre les Français qui était dirigée par le général Viette, ou Viet, qui était barricadé, ouais, qui était retranché lui, et derrière ce fort que nous relèvons la tombe des indigènes, et que le général haïtien qui était à la tête, c'était Gabar. Donc, Gabar arrivait vaincre les Français, en pile dans le tombé, en pile dans le point tout. Et finalement, Dessalines avait donné une trophée à Gabar. Et Dessalines était même dit que il considérait Gabar comme le vrai chef, le vrai héros de San Juan de la Maguana. Alors, tu as une raison pour ça. Parce que San Juan, tu es toujours un lieu mystique, un lieu important pour Jean-Jacques Dessalines, côté que Dessalines, tu as passé plusieurs jours à San Juan de la Maguana durant et son entrée triomphale en terre dominicaine, en terre espagnole en 1805. Alors, on a retourné sur la question de tête de Dessalines. Alors, d'après une histoire que nous apprendre, un sacrifice qui était fait au niveau de la cathédrale de Port-au-Prince avec la tête de Dessalines, un rituel qui fait, et il était présidé par l'archevêque Jean-Baptiste Joseph Brelle en présence des traîtres, en présence des ennemis, des assassins de Jean-Jacques Dessalines. Donc, et tête Dessalines, crâne là quelque part. Donc, on est que le gouvernement impérial, à partir de l'indépendance, il n'y a pas de gain, et les autorités impériales, il n'y a pas de gain de bonnes relations avec le Vatican. Et, mais, quoique il n'y a pas de gain de relation cordiale, ça, avec le Vatican, mais nous connaissons que le grand archevêque de le grand archevêque d'Haïti, Jean-Baptiste Joseph Brelle, était toujours Québec contact avec le Vatican. Donc, on a parlé de l'époque de Pie VII. Alors, on a continué à rechercher la tête de Dessalines. Crâne, on a cherché. Nous n'avons pas intéressé à quoi cadavre là, mais nous plus intéressé à quoi. Mais, Dessalines, Claire Heureuse et son épouse Claire Heureuse, ils ont venu réincarner à travers Ertha Trouillot, présidente d'Haïti, la première femme présidente d'Haïti en 1990. Donc, parce que Ertha Trouillot portait le nom de Claire Heureuse. Alors, on m'a parlé de Dessalines réincarné dans le mari, qui était une bonne précision ça, et Dessalines réincarné dans le mari de Ertha Pascal Trouillot, la première femme, dame présidente d'Haïti, en 1990. Claire Heureuse réincarnée dans Ertha Pascal Trouillot, parce que le vrai nom Ertha Trouillot, c'est Claire Heureuse Félicité Trouillot, c'est qu'on s'allait. Et vrai nom Marie Ertha Trouillot, c'est Jean-Jacques Dessalines. Donc, réincarnation, ça fait encore. Dessalines réincarné encore. Et Claire Heureuse réincarné quelque part. De nos jours, gagné dans la génération nouvelle là, nous ne connaissons pas qui est. Mais nous gagnons des informations que, encore une fois, l'esprit de Dessalines réincarné dans un haïtien, un jeune haïtien, et aussi bien l'esprit de sa femme, de son épouse Claire Heureuse, réincarné dans une haïtienne. Alors, et nous, ouais que le pape Jean-Paul II, parce que nous pouvons lier ça avec Jean-Paul II, il était recevoir un message depuis l'époque que il était archevêque en Pologne. Il était recevoir un message ça de la part de la Madonna Noire, la Vierge Noire, qui est Erzulie Dantor. Donc, message ça, c'est pour Haïti. Nous t'ai dit ça dans l'émission déjà. Il n'y a pas jamais le message là. Il y a un bagage pour te venir avec l'air d'Haïti. Il y a un message pour te porter. Donc, il y a un bagage tout pour te venir chercher tout. Il n'y a pas trouvé ça, venir chercher. Et il n'y a pas porté ce message là qu'il te doué et porter en Haïti. Et il y a un monde en particulier que il te doué bail. Remettre message ça. C'est ça qui fait que nous parlons que pape là, il vient des problèmes. D'ailleurs, en 1981, une chose qui est passée, il était point 2 balles, c'est-à-dire qu'il était gagné un assassin d'origine turque, qui était le Medbed Ali Ağca, qui était tiré pape là, il tiré 4 balles, il a 2 balles. Qui était atteint pape là au niveau de l'abdomen et yon était atteint dans bois la bois droite ou bien bois gauche, je ne me pas changer, je ne me rappelle pas, mais l'essentiel, les papes mourir. Alors pape ça t'es gagné des informations encore une fois pour te bailler en Haïti. Il vient en Haïti en 83. Donc il arrivait main vide et il retournait main vide. Mais conseil de phénomène qui va le passer en 1989. Premièrement, mur de Berlin écrasé. Deuxièmement, et Bill Gates et ses compagnons, ils viennent avec Microsoft Office, viennent même avec système de storage, et de storage, et qui, c'est pour la première fois, nous venons gagner le mouvement Solidarité qui vient pour pouvoir en Pologne. Donc c'est pour la première fois que le parti de l'opposition, le parti anticommuniste vient pour pouvoir, et parti ça a été même secondé, été même appuyé par le pape Jean-Paul II, qui est aussi originaire de Pologne, et ils ont même dit que c'est à cause de son appui à ce grand mouvement qui arrive au pouvoir en 1989, que pape là, dans un complot, et des anciens communistes, ils ont fait tirer pape là. Donc, tu viens gagner tout. Ertha Trouillot vient monter au pouvoir à partir de mars 1990, mais il était supposé monter au pouvoir en 1989. Nous dit encore, c'est une réincarnation de Claire Heureuse Félicité. Donc, États-Unis viennent et fait surface comme l'empire, le plus grand empire du monde, et nous venons gagner un monde unipolaire, réellement unipolaire à partir de 1989. Donc après ça, nous venons gagner un autre phénomène qui passait, mais phénomène qui a passé en Haïti et en pile dans nous, parce que tout Haïtien n'est pas jamais au courant de ce phénomène. Donc lumière qui descendent sur Haïti. Lumière, ça a été fait pour te descendre depuis 1983, au moment que le pape a atterri en Haïti, parce que l'ITB besoin tout, trouver rayonnement de cette lumière, et bien lumière pas de paraître, parce que il y a un travail qui est fait au niveau du pays, pour que lumière pas de descendre. Donc, lumière vient de descendre en 1989. Et nous voyons que grand pile bouleversement, grand pile transformation qui fait au niveau du monde. Donc, je dis, Dessalines est encore vivant. L'âme de Dessalines. Mais ça qui plus intéresse nous encore une fois, c'est esprit ça, à pi, à tort, nous combinons encore une fois, même si nous avons El Yahweh, nous avons Amora, nous avons El Shaddai, donc nous combinons le tout. Pour nous dire que c'est esprit ça, c'est génie ça, qui était campé derrière Dessalines. Il est toujours parlé de grand maître, il est toujours parlé de génie. Mais puisque il est lié à Saman de la Maguana, puisque c'est une réincarnation de Caonabo que lié, puisque Caonabo était un guerrier, un grand guerrier, donc Dessalines tout, c'était un grand guerrier. Et c'est esprit ça, pour nous capables réellement et c'est esprit ça, en tant que haïtien, pour nous capables admirer, apprécier, demander l'illumination, demander direction, demander protection pour le pays d'Haïti. Donc, esprit apien, son esprit régional lié du Kassika de la Maguana qui prend naissance, encore une fois en Égypte, mais en même temps, nous gagnons Mère Terre, c'est Itika ou Baba, nous gagnons Mère de la Mer, avec toute source de l'eau, avec rivière, qui c'est Astabé ou Astabera, dans la langue aborigène, et nous gagnons tout Bayamanako, qui c'est Dieu du feu, des Taïnos. Et nous gagnons Yaya, qui c'est femme et garçon, qui c'est créateur pour les Taïno. C'est ça que nous t'avons dit. Donc, si nous cherchons un esprit pour nous capables de vénérer, un esprit de protection, un esprit d'illumination, un esprit de rayonnement. Donc, c'est esprit à pi à tort pour nous capables interpellé. C'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Ce n'est pas l'esprit Dessalines en tant qu'esprit loi, parce que l'esprit loyaux est très très limité, mais c'est esprit, au contraire, c'est esprit qui était crampé derrière Dessalines, qui était crampé derrière Caonaboa, qui fait que yo te vin de vrais guerriers. C'est ça que nous te voulons expliquer aujourd'hui. Merci, chers amis, de ce que nous t'apportons attention. Non, moi, c'est professeur Bissette. Si nous t'avons mérité en contact, moi, nous avons toujours fait ça. Qui ton texte, ou bien un texte de voix, ou bien un message. Téléphone, moi, c'est 973 666 34 24. 973 666 34 24. Restez en paix avec la nature. Restez en paix avec tes tout. Et que les grands esprits de l'univers, les grands esprits Atlantes Taïno, et esprits ça qui t'est crampé derrière Dessalines, qui t'est fait le courage pour te faire la prouesse de 1804, que esprit ça, et tout esprit ça, en forme de cohorte, capable de rayonner nous. Shalom, shalom, shalom. À la prochaine.